Partout en Afrique, où les forces armées françaises sont déployées, des prévôts les accompagnent. De la Centrafrique, en passant par le Niger ou le Tchad, chaque prévôté a sa spécificité. Celle située au Mali se distingue de toutes les autres. Pourquoi Gao est spécifique ? Parce qu'à Gao, les prévôts vont être en fait sur l'ensemble du spectre de ce qu'une prévôté est capable de faire. Et donc c'est la prévôté la plus intense parce qu'il faut savoir tout faire. Et partout où il y a des militaires en dehors du territoire national, en unité constituée, que ce soit en force de stationnement ou que ce soit en opération extérieure, il y a une prévôté capable de mettre en œuvre cette capacité de police judiciaire de manière à ce que nos militaires ne soient traités que dans la chaîne pénale française. Oui, donc c'est pour vous rendre compte, le chef d'atelier électromécanicien frigoriste vient de constater qu'il manque des groupes électrogènes sur les matériels majeurs. On peut se déplacer sur le tout à fait. Et aller regarder un petit peu comment ça aurait pu disparaître. On a cherché partout sur la zone et pour nous, les groupes électrogènes ont été dérobés. Là, il faut du matériel parce que vous avez vu, il a fallu déboulonner le moteur et ensuite on voit qu'il doit bien peser au moins une centaine de kilos. Et puis ouais. C'est technique, il y a les câbles, il y a le câblage, ils ont tout enlevé. Donc il y a forcément des connaissances techniques derrière. Il faut des engins pour les bouger. On va déjà vérifier en interne si c'est pas oublié quelque part pour avoir une liste exhaustive. Et donc après, j'irai déposer plainte à la gendarmerie. Bonjour, je viens de déclarer le vol de matériel militaire. D'accord. J'ai un dépôt de plainte à vous faire. Suite à la découverte d'un vol de 32 groupes électrogènes sur la PFOD, en termes de préjudice, on est aux environs de 200 000 euros. Il y a d'un côté les coûts et l'impact sur les opérations au niveau de l'opération. C'est maintenant au prévôt de mener une enquête et de tirer des conclusions pour déterminer qui, combien, quand et pouvoir éventuellement nous faire restituer le matériel. Le principal étant de trouver les coupables, au niveau interne, mais comme externe, puisque je pense qu'il y a eu énormément de complicité. Le dépôt de plainte a engendré l'ouverture d'une enquête judiciaire. On va informer le procureur de la République et on va faire des investigations pour rassembler les preuves et rechercher les auteurs. Véritable couteau suisse, les prévôts sont en charge également de missions de police générale. Alors l'appui à la force, je le schématiserai en étant l'huissier au profit du commandement. Ta SMB, elle est là. Viseur et OTEC. OK. Félin JVN, il est là. Le but de la mission, c'est d'apporter notre concours, notre appui auprès du commandement. Ce régiment est amené à partir d'ici quelques jours. Et on vient vérifier si tout le matériel sensible est bien dans les caisses et qu'il n'y ait pas d'autres produits qui peuvent être mis dedans. 721. Nickel. Ça peut paraître un petit peu ingrat, mais on se doit d'être un petit peu sensible à cette mission, quoi. C'est ainsi que les prévôts exercent des missions aussi variées que la police générale, la législation douanière, mais aussi le contentieux. On va aussi intervenir dans l'appui au contentieux. Lorsque la force a un accident de circulation en ville, soit on le traite en police judiciaire parce qu'il y a des blessés, soit il y a juste de petits dégâts matériels, et à ce moment-là, il va y avoir une indemnisation qui va être faite auprès des victimes, et donc là, on va adresser procès-verbal de ce qui a été constaté, et l'indemnisation sera faite à la hauteur de ce qu'on constate. Et ces constatations sont d'autant plus difficiles qu'elles se déroulent sur des théâtres de guerre dangereux où il faut agir dans l'urgence. Leur spectre de mission s'élargit également à la formation au profit des forces de sécurité intérieure maliennes. Dernièrement, nous avons fait un détachement d'instruction opérationnelle au profit des gendarmes maliens pour faire monter en gamme leurs propres prévôts, de manière à ce que nos camarades des armées maliennes disposent eux aussi de prévôts capables de les accompagner en opération. Vous devez checker la zone. Et ben, ce qu'il faut faire, c'est dire aux militaires FAMA, ben, vous nous les gardez. On fait une petite formation, en fait, c'est des rappels sur le travail de gendarmerie, mais à adapter au niveau prévôtal, parce qu'ils sont amenés à aller sur le terrain avec les forces armées maliennes, donc à devenir prévôt. Et au niveau de l'expérience, c'est quelque chose d'assez enrichissant des deux côtés. Nous avons beaucoup d'échanges, en fait. Et ces échanges nous permettent de renforcer pour eux leur savoir et pour nous de nous inculquer un petit peu aussi leur savoir-faire. Il y a des suites et ces suites peuvent... En parallèle des formations données à leurs homologues maliens, les prévôts délivrent leur savoir-faire en matière de sécurité aux militaires français de la force Barkhane. Quand je fais la palpation, je ne me mets jamais complètement derrière la personne. D'accord, je protège ce qu'on appelle la ligne de vie. Donc là, on fait une sensibilisation sur les palpations pour justement essayer de faire comprendre aux militaires
qu'il y a beaucoup de passages, donc les gestes peuvent être à un moment donné banalisés, et c'est en banalisant ce geste que malheureusement certaines choses arrivent à rentrer dans la PFOD ou arrivent à sortir de la PFOD. Donc on est là pour rappeler régulièrement ce que sont les palpations, pour pouvoir préciser aux PCI ce qu'ils ont le droit et pas le droit de rentrer, et ce sont des acteurs sur la sécurité au sein de la PFOD. Polyvalent, les prévôts doivent régulièrement répondre à des missions de circonstance. On se trouve actuellement à l'incinérateur de l'EDA, donc c'est là où sont brûlés tous les déchets d'hiver. Le pharmacien de Gao et la pharmacienne de Niamey ont sollicité notre concours pour les assister dans le comptage de médicaments dont les substances sont classées comme stupéfiantes. Donc il y a plus de 5000 doses de médicaments. Donc on est là pour attester effectivement qu'il y a bien ces médicaments dans les sacs. C'est une obligation légale d'avoir un prévôt pour assurer la destruction des stupéfiants. Ça nous permet d'être sûr que nos médicaments comme la morphine, la kétamine et ainsi de suite, ne se retrouvent pas détournés et soient bien détruits, et qu'on ne participe pas au trafic de stupéfiants. Et après, dans le cadre d'un procès-verbal de renseignement militaire, j'attesterai qu'effectivement, tous les sacs ont bien été détruits. Les prévôts sont en charge du transport de fonds dans la bande sahélo-saharienne, car toutes les transactions se font en espèces. Nous allons emmener la solde des FAMA de Manaka, et nous la prenons en compte ici, pour leur emmener lors d'une mission, lorsque ça sera possible. Au Mali, les prévôts font avec les moyens sur place. Faute de portiques de sécurité, ils utilisent les scanners de l'infirmerie. Le but de cette manipulation, c'est de voir éventuellement à l'intérieur du sac qu'on a réceptionné, s'il n'y a pas d'objet prohibé, dangereux, qu'on pourrait nous-mêmes transporter, puisqu'on va transporter ce sac par avion, donc il pourrait y avoir des risques, tout simplement. Là, il y a un officier, un représentant des FAMA qui va venir récupérer la solde que nous a remis le commandant de la base de Gao. On va bien sûr faire signer le scellé, briser le scellé pour leur remettre l'argent, vérifier l'identité de l'officier qui s'en occupe et prendre une photo dès qu'il a reçu l'argent. Voilà. Finalement, pour exercer dans la bande sahélo-saharienne, un prévôt doit posséder de nombreuses qualités. Alors les qualités vont marcher par... Je vais les décrire un peu par strates. Il y a un socle de base, il nous faut des officiers de police judiciaire confirmés et expérimentés. C'est-à-dire des gens qui se sont déjà confrontés à la police judiciaire. Il faut que la mission principale ne soit pas quelque chose de compliqué pour eux. Il faut que donc ce soit de très très bons OPJ. Donc ça, c'est le critère premier. Donc pour avoir un très bon OPJ, il faut certes des capacités intellectuelles, mais il faut de la pratique. Donc un prévôt ne viendra jamais en opération extérieure avant l'âge de 35 ans. Parce qu'il faut qu'il se soit maturé en tant qu'officier de police judiciaire avec de l'expérience. Ça, c'est vraiment un socle indispensable. Ensuite, eh bien, il faudra d'autres qualités. Il faudra des qualités, de résilience. Certes, on est habitué à faire un métier à risque, mais ici, les risques, j'ai envie de dire, sont démultipliés. Il y a régulièrement des alertes, on doit se mettre sous les abris. Il y a sur les convois des véhicules qui sautent sur des IED. Il y a des attaques directes, des attaques complexes. Donc on ne peut pas ignorer qu'on vient sur un terrain opérationnel en guerre. Et ça, il faut quand même le garder à l'esprit, sans rentrer dans la paranoïa. Il faut des gens qui soient très autonomes dans leur travail, capables de s'adapter, capables d'appréhender un nouvel environnement très rapidement. Ici, on est vraiment seul pour traiter tous les dossiers. Il faut qu'on soit de suite opérationnel et ça ne dure que 4 mois. Quoi. Donc il faut faire ses preuves rapidement. Il faut aussi des gens qui soient militaires, parce que nous sommes sous le commandement du chef d'état-major des armées, nous sommes des militaires, et donc il faut des gendarmes qui aient conservé en eux la flamme militaire qui est celle de notre formation initiale et qui soient d'une discipline intellectuelle sans faille. C'est principalement ça qu'on va rechercher. Et donc, quand on commence à cumuler ça, plus le volontariat, plus la disponibilité des gens, en fait, on se retrouve à sélectionner très peu de monde dans beaucoup de volontaires.